Donc, l'idée, c'est de commander un home cinéma. Ça peut être Marantz ou ça peut être Denon. Ça marche pour les deux marques. Donc, on lance l'application ici et elle se retrouve dans la barre de menu ici. On la lance et avec toutes les commandes qui sont là, on peut contrôler l'ampli home cinéma. Hop, je l'allume. Voilà, ici. On attend qu'il se lance complètement. Voilà. Et ensuite, après, on peut contrôler toutes les entrées. Donc là, on est sur le serveur, mais on peut se mettre donc hop, sur le décodeur orange. On peut se mettre sur la Wii. On peut se mettre sur le Blu-ray. On peut se mettre sur Media Player. Voilà, tous les boutons marchent comme il faut. Voilà. Et toutes les entrées fonctionnent. Hop. CD, Network, iPod, Internet. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu inversé, ça va falloir que je fasse gaffe. Ouais, parce que je le passe vite. Internet. Pas un grand pays, hein, mais je crois qu'à une certaine époque, on disait qu'il y avait 10% de la population qui Là, était on dans peut le... couper le son, par exemple. Et puis, là, on a le volume. Hop, 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 hop. Pour descendre. Pour monter. Hop. Là, on a les modes de son, donc movie, musique, game et auto. Là, on a les autres modes qui fonctionnent aussi, multichannel, Dolby, DTS, direct, tout ça. Tout ça, ça fonctionne. Là, on a les flèches de navigation si on veut contrôler par rapport sur la télé. Et puis là, on a le bouton pour contrôler depuis Internet, depuis l'interface de contrôle Internet. On fait ça et hop, ça nous ouvre l'interface de contrôle ici. Voilà, ça c'est l'appli pour contrôler les amplis. On peut éteindre. Hop. Et on peut quitter l'application de cette façon. Tchouk!